Je commencerai en remerciant particulièrement mon directeur de thèse, M. Jean-Claude Dominger, et l'Université de Franche-Comté, sans lesquels cette présentation n'aurait été possible. Je pense aussi à l'apport appréciable de Mme Desfriche, qui se charge de la co-direction de ma thèse. Et merci à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et au comité d'organisation de ce colloque. Le travail que nous allons vous présenter a pour titre « Controverse sociotechnique et polyphonie en sciences de l'information et de la communication autour des feux de forêt d'Amazonie ». Notre présentation comprendra les points suivants: une introduction, les concepts et théories convoqués, nos pistes méthodologiques, une brève amorce d'étude d'une vidéo, et puis une conclusion. En introduction, des hypothèses apocalyptiques sur les conséquences d'une destruction de l'Amazonie sont proposées par les scientifiques. Dans cette diapo 2, nous portons notre attention sur la superficie de l'Amazonie, soit 6 700 000 km², et sur sa fonction de puits de carbone, car l'Amazonie absorbait jusqu'alors 14% du CO2 produit sur la planète. En effet, les dernières études de l'INRA donnent aujourd'hui l'Amazonie brésilienne comme plutôt émettrice de CO2. La diapo 3 nous présente deux graphiques. Dans ces graphiques, on constate un pic de déforestation en 2019. Puis, on constate aussi, dans le graphique plus à droite, un pic de déforestation en juin 2021. Dans quel contexte se déroule cette déforestation accélérée de l'Amazonie? Rappelons que la température de la planète a augmenté de 1% à cause des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités de production industrielle et aux pratiques de consommation. Les pays se sont engagés lors de la COP21 à Paris en 2015 à maintenir cette température sous les 2 degrés, ce qui nécessite la mise en place par les divers signataires d'une politique de transition écologique. Ces ambitions nobles se heurtent pourtant aux impératifs de développement, surtout quand ces impératifs s'inscrivent dans un contexte de crise socio-économique comme au Brésil. La récente COP26 donne cependant une faible note d'espoir, puisque le Brésil, contre toute attente, s'est engagé avec 100 autres nations à mettre fin à la déforestation d'ici 2030. Quel est l'objet de ce propos? Quelle est notre problématique? Et puis, quels sont nos objectifs? Sur la diapo 4, notre objet. Cette présentation a pour objet de préciser certains enjeux épistémologiques et méthodologiques d'analyse des polyphonies dans un contexte de controverses environnementales, en prenant le cas d'une plateforme spécifique YouTube. Notre problématique part d'une assertion de Souchet 98 sur l'énonciation éditoriale. En effet, pour Souchet, l'énonciation éditoriale est polyphonie par essence. Mais il y a un problème de visibilité d'une polyphonie qui a tendance à se perdre dans les phrases ordinaires, pour employer un terme de Pérec, et dans la complexité de la médiation, comme le note Peraya 2010. L'objectif, il s'agira pour nous de dégager la visibilité de l'hétérogénéité énonciative et les enjeux de société que portent les voix engagées en posant notre regard d'observateur pendant une période de 5 ans sur l'évolution d'une controverse sociotechnique à propos des feux de forêt d'Amazonie.
En grand 2, nous avons avancé les concepts et théories que nous avons convoqués pour notre travail. D'abord, les concepts et théories convoquées en sociologie. Nous avons recours à la sociologie de l'espace public. Tout espace public est le lieu d'action, d'information et de communication selon Payard 2019. Les espaces publics peuvent être aujourd'hui fragmentés et transnationaux, d'après Bernard Peters 2017. Quelle exploitation de ces thèses sur l'espace public dans le cadre de nos études sur un espace public alternatif comme YouTube, Grandjean et Cardon 2009. Le second point en sociologie, c'est qu'il fallait définir, la controverse. Quelle approche de la controverse nous avons adoptée? Nous avons adopté celle de Juliette Rennes. En effet, cette approche prend en compte le caractère itératif et suivi de la controverse. Cette approche permet une étude diachronique d'une même controverse. Nous aurons aussi recours à la notion de la mise en scène de la controverse avancée par Lemieux 2007. En effet, selon Lemieux, une même controverse peut être l'objet de différentes mises en scène selon les espaces. L'intérêt ici, pour nous, est de pouvoir observer d'autres controverses sur YouTube, sur des chaînes qui sont idéologiquement opposées, par exemple, sur les chaînes climato-sceptiques, sur les chaînes qui défendent l'environnement. Le quatrième point, c'est l'utilisation de la balistique sociologique de Francis Château-Renaud, 2011. Cette approche nous permettra d'analyser la trajectoire des controverses et leur lieu d'émergence, d'analyser aussi les forces en présence et aussi d'analyser l'évolution des thèmes. Enfin, le dernier point au niveau de la sociologie, c'est l'utilisation de la théorie de l'acteur réseau de Calon, 2006. Elle nous permettra d'étendre la notion d'acteur à des dispositifs techniques, à des discours et de dégager le sens de la construction des réseaux d'affinité. En sciences de l'information et de la communication, voici les concepts et théories que nous avons utilisés. D'abord, l'énonciation éditoriale. Selon Souchier, 1998, le concept d'énonciation éditoriale renvoie à l'élaboration plurielle de l'objet textuel. Le texte est donc le résultat d'une énonciation polyphonique. La notion de texte est ici saisie dans son acception large et nous permettra de prendre en compte aussi les écrits d'écran. Nous ferons aussi attention aux notions de médias, médiation et médiatisation. Sur un Peraya 2010, les médias sociaux numériques médiatisent non seulement des savoirs et connaissances, mais comprennent aussi des dispositifs internes chargés de médiatiser d'autres éléments. Par exemple, les outils de vote qu'on note sur les médias sociaux numériques. La médiation permet, par ailleurs, selon Jean-Héry, 2008, de décrire les processus d'infocommunication et de requalifier dans la société les dynamiques et régimes de la culture. Au niveau sociotechnique, Jean-Héry parle de délégation d'énonciation avec les médias sociaux numériques, comme YouTube et Facebook, ce qui a un intérêt évident pour une étude sur la polyphonie. Jean-Héry 2019 propose par ailleurs la sémiologie communicationnelle comme domaine essentiel en étude de la communication. La sémiologie communicationnelle sera une occasion pour nous de faire une étude sémiopragmatique des vidéos. Audin 1982. La dernière approche en sein de l'information de la communication, ce sera l'approche socio-économique
des médias que proposent Bullish et Schmidt 2019. Elle nous permettra de saisir YouTube comme un acteur industriel actif dans un environnement donné. Notons que les stratégies des acteurs médiatiques se portent sur deux angles principaux, la production médiatique et sa valorisation. Les apports en sciences du langage. Ici, nous convoquons seulement deux approches. On parle de polyphonie lorsqu'il y a, dans un même texte ou discours, plusieurs voix qui se font entendre. Mais selon la nature de l'objet, il existe différentes approches de la polyphonie. En sciences du langage, parmi ces approches de la polyphonie, nous avons retenu celle dite contextuelle, et plus particulièrement la théorie scandinave de la polyphonie ou la scapoline. Ici, l'énoncé est pris dans son rapport avec d'autres énoncés, ce qui nous permettra d'analyser la polyphonie dans les commentaires directs des vidéos ou encore dans les échanges entre les acteurs au niveau des commentaires. Ce sera aussi l'occasion d'interroger la polyphonie des énoncés en relation avec une consommation médiatique fragmentée, éparpillée, dispersée. Renault 2014. Et plus spécifiquement, en partant des LIT 2019, d'interroger l'énoncé dans sa co-construction avec le lecteur. Rappelons surtout, avec Moirin 1997, que la polyphonie se donne comme une caractéristique générale des discours médiatiques. Le recours à la pragmatique conversationnelle et particulièrement à l'approche interactionniste, les actes de langage, est une autre voie qui nous permettra d'explorer les échanges polyphoniques. Quelles sont nos pistes méthodologiques? 5 axes méthodologiques seront convoqués. Nous partons du constat de la nécessité d'une méthodologie plurielle, faite par Dominger et Coutant 2014. Mais nous prenons en compte les limites du matériau et des méthodes telles que mentionnées par Marty 2019. Ce qui nous amène par exemple à lier approche webométrique, textométrique et sémiologie du web, Marty 2019. Avec Badoir et Mabi 2015, nous lions études de l'espace et des personnages à une théorie du discours. Ici, la scapoline. Diapo 9. Les ressources méthodologiques de YouTube ou l'architecte de YouTube. 3 axes conditions d'édition sur YouTube. Nous avons les ressources ouvertes, les ressources réservées aux YouTubeurs et les ressources stratégiques de YouTube qui sont réservées uniquement à YouTube. Comme par exemple le fait de supprimer une vidéo de l'interdit. La diapo 10, nous allons interroger les axes d'exploration de la polyphonie. Comment, où allons-nous chercher la polyphonie? Et ici, pour analyser la polyphonie, 4 axes sont retenus. L'observation du dispositif technique, l'axe des commentaires, ceux des vidéos et les descriptifs des vidéos. Dans cet ensemble, Bouville 2000, Fecit Marty 2019, identifie 2 groupes de variables. Des variables contextuelles, exogènes aux médias, conditions économiques, dans un espace, la situation politique ou culturelle, niveau, les lois en vigueur dans cet espace, les variables endogènes. Les différentes variables influencent les formes du discours. La diapo 11. Les outils méthodologiques. Nous avons utilisé 3 outils méthodologiques. Prospero, AIF et puis Jeffy. Chaque outil a des avantages. On peut donner par exemple le cas de l'outil de la testométrie. Prospero. Selon Bonafou et Tournier,
la lexicométrie permet de rendre compte des luttes d'appropriation et des dépossessions symboliques qui se jouent dans le lieu même de l'échange. Donc, utiliser Prospero, cela nous permettra par exemple de noter, de pouvoir relever toutes ces luttes d'influence, mais il faut aussi noter que cet outil a des limites. Par exemple, il est difficile avec un appareil automatique de juger certains discours imagés, de juger de certains mots qui sont polysémiques. Donc, il ne faut pas utiliser uniquement Prospero, il faut essayer d'y adjoindre une approche manuelle, si on peut utiliser ce mot. Alors, nous n'avons pas décrit en détail les autres méthodes. Nous passons maintenant à une brève étude du cas d'une vidéo. La vidéo que nous allons étudier a pour titre Pourquoi l'Amazonie brûle et pourquoi c'est grave. C'est une vidéo du site Le Monde qui se trouve sur YouTube. Bien évidemment, pour choisir cette vidéo, nous avons obéi à des critères. Par exemple, le choix de cette vidéo est lié à un critère idéologique. Par exemple, Le Monde est un journal de centre-gauche. Donc, il y a beaucoup de critères, on ne peut pas tous les présenter. Sur la diapo 13, nous avons, à partir de cette vidéo, les acteurs d'énonciation éditoriale que nous avons dégagés. Donc, en dehors du plus évident comme YouTube, il y a des acteurs qui peuvent passer inaperçus comme les auteurs de la musique et de la vidéo, ou encore les images empruntées à Reuters. La diapo 14 nous présente les catégories thématiques dans la vidéo. Nous constatons dans cette vidéo faite sans utiliser Prospero, un poids de 14 pour la catégorie gravité de la situation des incendies et un poids de 10 pour la catégorie feu de forêt. Donc, à l'intérieur de la vidéo, il est beaucoup plus question de gravité de la situation des incendies. La diapo 15. À recherche de la polyphonie, les voix dans la vidéo. Pour retrouver les voix, nous partons des locuteurs principaux que sont le journaliste et l'économiste de l'environnement. Les voix évoquées par ces deux acteurs sont Jair Bolsonaro et des aides discursives comme Le Monde industriel, Le Monde occidental, qui sont en même temps des tiers collectifs, pour employer un terme utilisé par la Scapolaire. Dans la diapo 16, quels sont les rapports entre les voix? Il se dessine une concordance d'opinion entre le journaliste et l'experte, qui tous deux s'opposent à la politique de Bolsonaro et critiquent la part des responsabilités du monde occidental. Il existe aussi, pour eux, un paradoxe entre les accusations portées contre Bolsonaro et les intérêts et habitudes de consommation occidentaux. Bolsonaro semble donc avoir, au final, une affinité avec ceux qui profanent sa politique agricole. Oui. Dans les commentaires, bien évidemment, au niveau des commentaires, on a des statistiques qui montrent que les commentaires en 2019 sont plus nombreux que ceux en 2020. Diapo 18, les catégories d'acteurs dans les commentaires. Par ordre d'importance, en nombre, on a des approbateurs du contenu de la vidéo, les désapprobateurs du contenu de la vidéo, les souverainistes brésiliens, les complotistes, les végétariens, les bioconsommateurs et les végans. Les thèmes par période. On constate par exemple que la part des responsabilités de l'Occident dans les incendies était un thème majeur en 2019 et qui ne l'est plus en 2020. Diapo 20. Rapport des divergences entre les voix. Il y a plusieurs controverses à l'intérieur de la controverse principale sur les feux de forêt d'Amazonie. Ainsi, on note que les souverainistes brésiliens et le média Le Monde
sont en opposition, les végétariens et les végans, eux-mêmes, alors que les deux consommateurs s'opposent aux végétariens et aux végans. Enfin, ceux qui proposent des solutions sont en conflit avec ceux qui ne font que critiquer. La diapo 20, les indicateurs de polyphonie linguistique dans la controverse. On constate que les discours sont fortement polarisés dans les commentaires. Une fois occupant de la négation pragmatique mais pas et du connecteur pragmatique mais, se note. Si nous avons par exemple l'exemple d'un commentateur, tu as raison, derrière, au final, ça pollue, mais les arbres absorbent le CO2. La diapo 22, rôle des itériens. 42 liens ont été extraits des commentaires. Au final, après tri, nous avons retenu que 7 liens pertinents. Rappelons que la théorie de l'acteur réseau considère les sites Internet comme des acteurs. Après un rôle de niveau 3, nous constatons que le site du journal Le Monde se présente comme un acteur principal. C'est pourquoi il y a le gros nœud et qu'il y a une relation d'hémophilie entre ce site et Wikipédia, d'où leur proximité dans la cartographie. Et que le site Global Fire Data, qui donne la situation des incendies dans le monde en temps réel, n'est pas loin. En conclusion, cette proposition épistémologique dans le cadre d'une recherche concernant l'information de la communication sur la polyphonie se veut donc transversale. Elle tente autant que possible d'appréhender les différentes facettes de l'énonciation polyphonique sur YouTube en partant d'un moment discursif important, celui des feux des forêts d'Amazonie. Les perspectives d'une telle étude sont nombreuses. Élaboration possible d'ergonomie des médias socio-numériques pour mieux mettre en avant les voix polarisées dans les controverses. Analyse du discours des controverses environnementales sur les médias socio-numériques. Analyse des stratégies d'acteurs dans les controverses environnementales. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on a de nouveau le temps pour les questions. Ça, c'est les questions dans la salle. Commencez. À la fin, vous avez parlé du site Internet qui serait considéré dans la théorie de l'acteur réseau comme un réel acteur. Oui. Et personnellement, je travaille sur des sites Internet et je compare les discours qui sont présentés sur les sites Internet. Et j'aimerais savoir sous quelles caractéristiques on pourrait considérer un site Internet comme un acteur. Parce que je le vois plus comme un dispositif, mais peut-être qu'il y a d'autres. Merci de votre question. En fait, pour comprendre ce principe des sites Internet comme des acteurs, il faut se ramener un peu à la tradition des journaux que nous avons, les journaux papier. En fait, les journaux papier sont colorés idéologiquement et en tant que tels, ils participent de la dynamique de l'évolution des problèmes sociaux, de la description des problèmes sociaux. Il en est de même pour les sites Internet. Et il n'y a pas de neutralité. Un site Internet peut même être à la base de la mise en place d'une controverse. Elle peut créer une controverse. Elle peut alimenter une controverse. Donc, en tant que tel, ce sont des acteurs. Voici, c'est dans ce sens-là qu'on dit que ce sont des acteurs. Dans le cas de la controverse. D'accord. Dans le sens où elles sont reliées à leur concepteur. Voilà. Et puis, ces sites aussi ont des intérêts. Ils font des intérêts économiques. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons utilisé aussi l'approche socio-économique pour mettre en avant les stratégies. Merci. Merci. Oui, c'est une question. Oui, merci. Alors, c'est une question très simple pour compenser le temps de présentation. Si vous pouviez revenir un peu sur les caractéristiques de votre corpus, en fait, simplement. Donc,
les vidéos, vous utilisez, enfin, les matériaux en fait, de façon générale, donc les hyperliens aussi, des commentaires, c'est ça que j'ai compris. Et justement, peut-être quelques critères, comme c'était trop long à expliquer, voilà, si vous pouviez proposer ce décor. Bien évidemment, pour choisir le corpus, nous avons adopté une démarche qui est concernée une démarche et flexible. Donc, c'est-à-dire comment nous sommes arrangés pour construire notre corpus. Ainsi, par exemple, on a des éléments idéologiques comme étant importants, mais tout aussi, on peut aussi prendre en compte la caractéristique même de la vidéo. Les vidéos ne sont pas tous de même nature. On a par exemple des vidéos qui sont faites de textes et d'écrits, dans celles que j'ai retenues. Des textes, et puis avec des images derrière, et puis c'est tout. On a des vidéos que nous avons choisies qui sont faites d'interviews. Voilà. Nous avons aussi pris en compte la longueur de la vidéo. Et bien entendu, le critère temporel de production de la vidéo. La plupart des vidéos que nous avons choisies sont des vidéos produites pendant la période des pics des incendies. Ainsi, par exemple, nous nous intéressons, nous savons que la période des pics des incendies, c'est en juillet, août, septembre, peut-être octobre. Donc, nous, chaque année qui passe, nous nous focalisons sur les productions de cette période-là exactement, pour voir si au moment où la forêt brûle, l'écho exact que la presse sur YouTube s'en fait. Voilà, donc il y a toute une panoplie des méthodes que nous utilisons. Voilà. Peut-être pour compléter aussi, Mathieu, tu peux expliquer la période des 5 ans. Oui, bien entendu, nous avons commencé notre travail en 2019. Nous sommes partis d'un moment décisif important, celui des feux de forêt d'Amazonie. Et puis, nous avons fait notre observation en 2020 et nous continuons notre observation en 2021. Alors, comme nous partons de l'approche de Juliette Rennes, qui dit que les controverses sont des faits en fait itératifs qui viennent et qui ont une certaine continuité, nous avons cherché à savoir qu'est-ce qu'il en était avant 2019. Donc, nous sommes répartis en 2017 pour voir si on évoquait la question des feux de forêt d'Amazonie. Et nous sommes répartis en 2017 pour voir si on évoquait la question des feux de forêt d'Amazonie sur YouTube pendant ce temps. Et nous avons constaté, par exemple, qu'il était surtout question de déforestation, même si à l'intérieur de la vidéo, on parlait un peu des feux de forêt. Mais ce que nous avons constaté, c'est que même si la vidéo n'a pas pour titre feux de forêt, incendie ou bien l'Amazonie brûle, les vidéos tournent sur YouTube. Et pendant la période de la controverse de 2019, des vidéos qui ont été produites en 2017 ont été commentées avec l'actualité de 2019. Donc, ce qui fait que dans la continuité qu'il y a au niveau des textes qu'on a sur Internet, on constate que dans la continuité des commentaires, il y a des commentaires qui évoquent cette crise de 2019. Et c'est un exemple intéressant de l'accessibilité des textes qu'on a sur Internet. Ok, merci beaucoup. On a dit pour votre temps alloué à cette présentation. Un grand merci pour votre présentation. Merci.